Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la crevetticulture qui est un secteur inexploité sur le continent africain et dont l'essor pourrait permettre d'enrichir beaucoup d'Africains tout en nourrissant le peuple africain et en mettant à leur disposition un aliment de qualité qui est la crevette. Alors en me fondant sur la réception que cette vidéo a eue, dans les commentaires que j'ai reçus, les questions et ainsi de suite, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle encore de ce sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer pourquoi je disais que pour se lancer dans la crevetticulture, il faut avoir un investissement de départ assez important qui peut s'élever à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire que ce sujet sur la crevetticulture est tellement important que nous allons organiser un live le samedi 26 février où nous allons parler des facteurs qui pourraient contribuer à l'essor de la crevetticulture sur le continent africain. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés sur la chaîne YouTube All About Aquaculture, vous allez recevoir le lien et j'invite d'autres personnes à s'abonner pour pouvoir recevoir le lien et participer à ce live qui s'annonce important parce que c'est quand même un secteur inexploité qui attire l'attention de plus en plus des investisseurs et des pouvoirs publics sur le continent africain. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, j'aimerais préciser que dans la vidéo précédente, quand je parlais d'un investissement de départ de plusieurs centaines de millions de francs CFA, c'est pour une aquaculture de crevettes commerciale. Donc c'est une aquaculture tournée vers le marché, tournée vers le profit et qui pourrait enrichir les personnes qui se lancent dans ce secteur inexploité sur le continent africain. Je ne parlais pas de la crevetticulture extensive ou de subsistance, et je ne parlais pas de la crevetticulture semi-intensive. Mais il est important aussi que les gens sachent qu'on peut faire de la crevetticulture sans forcément investir des centaines de millions de francs CFA. Ça peut se faire. Ce ne sera pas au même niveau de rentabilité que si on se lançait dans l'aquaculture commerciale, mais il y a des façons de faire quand même qui permettent d'acquérir une certaine expérience en crevetticulture ou qui permettent même de produire un peu de crevettes pour nourrir sa propre famille. Là, je vais prendre l'exemple d'une technique qui se pratique au Bangladesh et en Indonésie, qui sont deux pays quand même où chaque année, il y a de l'inondation. Donc, tous les gens qui vivent dans les zones côtières sont déjà préparés, qu'il y aura la montée des eaux et qu'il y aura l'inondation dans les champs et ainsi de suite. C'est pourquoi aussi, si vous regardez bien, en 2004, le tsunami a fait plus de dégâts en Indonésie, parce que c'est une zone quand même d'inondation fréquente. Alors, qu'est-ce que les producteurs de crevettes font dans ces deux pays-là que j'ai vus et que j'ai trouvé quand même ingénieux, même si ce n'est que de l'aquaculture extensive? C'est que le crevetticulteur qui se retrouve dans une zone comme celle-ci, au bord de la mer, aménage des étangs, donc creuse des étangs profonds. Et dans l'une des précédentes vidéos, j'ai parlé de la profondeur des étangs et comment en Asie, on peut quand même voir des étangs qui ont 4 mètres, 5 mètres de profondeur. Donc le producteur peut creuser des étangs de 4 mètres au bord de la mer. Et pendant les périodes d'inondation, il y a l'eau de mer qui vient, qui inonde toute la zone et qui remplit les étangs. À la fin de l'inondation, la mer se retire, mais les étangs restent avec de l'eau et les étangs sont pleins. Mais ce qui est bien, c'est que l'eau de mer ne contient pas seulement du sel et de l'eau, mais cette eau-là aussi contient des larves de crevettes, des crevettes adultes et quelques poissons de mer. Donc tous et des algues aussi. Donc ces algues-là, ces poissons et ces crevettes se retrouvent emprisonnés dans l'étang. Et on sait que à cause de la qualité du sol des étangs en Asie, la production primaire dans les étangs asiatiques est beaucoup plus grande que celle des étangs à travers le continent africain. Donc déjà, un étang qui a été inondé comme ça et qui contient quelques algues, quelques poissons et tout, il y a une production primaire qui se craint. Donc, en quelques temps, là, on voit comment l'eau verdit, il y a un développement du phytoplancton, du zooplancton et tout. Et les poissons, les crevettes et tout qui sont dans cet état-là commencent à grandir. Pas comme si on les nourrissait, donc c'est pas comme, comme dans un élevage intensif, mais il y a une certaine croissance. Et on voit quelques producteurs qui vont jusqu'à acheter un aliment d'appoint. Parfois, c'est juste un mélange de deux ingrédients, hein, le son de riz et peut-être la farine d'arachide. Donc, mélanger de tout d'arachide. Tout ça, ça se mélange, ils font quelques granulés et ils partent, ils versent. Et ils nourrissent à la fois les crevettes et les petits poissons qui sont dans leurs étangs d'eau salée.
Et à la fin du compte, ils ont quand même produit des crevettes parce que quand l'eau baisse au bout de 4 ou 6 mois, dans l'eau a complètement baissé, ils partent et ils pêchent. Et parfois, ils ont assez de crevettes pour pouvoir se nourrir pendant quelques jours. Donc ça, c'est déjà la crevetticulture. Et un système comme ça peut s'appliquer sur le continent africain pour commencer, au moins pour se faire la main. Pas forcément pour pouvoir vendre et envoyer avoir de l'argent suffisamment pour envoyer les enfants à l'école. Non, on ne s'attend pas à cela. Mais au moins, c'est quelque chose qui peut déjà se faire. Donc, il ne faut pas toujours avoir des centaines de millions de dollars. Mais si on veut se lancer dans l'aquaculture commerciale, c'est quelque chose de très sérieux au niveau des crevettes. C'est d'autant plus sérieux que si on se retrouve à un endroit comme celui-ci et on se dit qu'on va établir une ferme de crevettes commerciale, il va falloir se donner les moyens pour aménager le site de façon à avoir plusieurs infrastructures. Donc on va avoir des infrastructures d'écloserie, pas très loin, donc toujours dans notre site. On va avoir des infrastructures de grossissement. Bon, ça peut être des étangs, ça peut être des bassins hors sol, mais ça doit être des choses vraiment bien. On doit avoir des infrastructures de pompage et de traitement de l'eau. Et si je peux commencer à aller dans les détails, surtout à partir de ce point-ci. Quand on se lance dans l'aquaculture commerciale, on a besoin de l'eau de très bonne qualité. Et pour un cas comme celui qui est devant nous, si on veut pomper l'eau de mer, on ne va pas pomper de l'eau à 5-10 mètres de la rive ici. Cette eau-là va être polluée. L'eau ne sera pas de bonne qualité. Il faut aller loin, il faut aller un peu plus loin. Parfois, il faut pomper l'eau à 100 ou 200, peut-être même 500 mètres de la rive pour avoir de l'eau de bonne qualité. Ce qui veut dire quoi? Qu'il faut une bonne tuyauterie qui va jusque-là. Ce qui veut dire qu'il faut que des plongeurs aillent ancrer des tuyaux là-bas. Il faut la signalisation pour permettre quand même que les pirogues, les bateaux puissent passer là-bas en sécurité. Donc ça demande un investissement sérieux déjà. Une fois que l'eau est pompée, il y a une bonne crépine d'aspiration et tout, il faut construire un bâtiment de pompage. Là où il y a carrément un appareil, il y a de l'équipement pour pomper de l'eau. Et là, parfois, on parle des équipements qui peuvent pomper jusqu'à 50 mètres cubes par heure pour être sûr qu'on a suffisamment d'eau pour les étangs, pour l'écloserie et ainsi de suite. Et à côté de cela, l'annexe doit être quoi? La station de traitement de l'eau. Parce que l'eau qui vient de la mer contient les bactéries, les champignons, les virus. Et tout ça, c'est très dangereux pour les crevettes. Comme je l'ai dit, les crevettes sont très sensibles aux maladies, surtout aux virus. Il y a un virus qu'on appelle white spot virus, très dangereux. Dès que tu as cette tache blanche sur les crevettes, le lendemain, toutes les crevettes sont mortes. Donc, il faut pouvoir traiter l'eau de mer. Et là, il y aura plusieurs traitements. Le traitement primaire qui consiste souvent à enlever juste les matières en suspension, donc enlever les particules solides, le plastique, le bois et ainsi de suite, les algues, les enlever. Ensuite, il faut un traitement biologique. Donc, il faut avoir soit des lampes UV, de l'ozone et tout pour tuer les bactéries, tuer les champignons, tuer les virus. Et une fois que l'eau est propre, maintenant, il faut envoyer tout ça à la fois dans les bassins d'élevage et aussi dans les closeries. Et l'eau seule ne suffit pas. Donc, il faut encore avoir une station d'aération. Donc, il faut une station où on a des suppresseurs. Parfois, on a des tubes d'oxygène où on a carrément un oxygénateur pour oxygéner de l'eau. Parce que les larves et tout sont très sensibles au manque d'oxygène. Donc, il faut de l'eau de qualité, mais il faut aussi de l'eau bien oxygénée. Et quand on parle des larves, tout ça, ça se passe à l'écloserie. L'écloserie des crevettes, c'est un endroit qui doit être biosécure. Encore pour prévenir les maladies. Et généralement, dans plusieurs fermes de production de crevettes, le fermier préfère avoir ses géniteurs, dans ce qu'on appelle en anglais broodstock. Et généralement, ces géniteurs sont des géniteurs améliorés pour la croissance, la résistance aux maladies, parfois l'adaptation à l'acidité de l'eau ou bien à la température haute ou basse de l'eau, et ainsi de suite. Et là, ça se commande. Les géniteurs sont commandés parfois de l'étranger et si on prend le cas de notre continent africain, ça viendra forcément de l'étranger, soit de l'Europe, soit de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud ou de l'Asie. Et les géniteurs de crevettes coûtent cher. Donc si au niveau du tilapia, du poisson chat africain, on peut avoir des géniteurs de qualité entre 5 ou 10 000 francs pour un géniteur, au niveau des crevettes, ça commence à 25 000. Et s'il faut ajouter à ça le coût pour l'emballage, parce qu'on doit emballer, ça vient souvent de l'étranger, ça prend l'avion et tout. Le coût de transport, le coût de manutention et ainsi de suite, ça peut nous revenir à peu près à 40 000 francs. Un seul géniteur de crevettes.
Et si on veut en commander 100, ça fait déjà 4 millions de francs CFA seulement pour les géniteurs. Et il faut renouveler le stock de géniteurs chaque 2 ans. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Il faut un aliment de qualité pour les géniteurs. Ce n'est pas un aliment qu'on fabrique ou qu'on mélange à poudre, comme ça on donne aux géniteurs. Non, on n'aura pas le niveau de fécondité qui est souhaité. Et il faut des aliments pour les larves, des post-larves. Et les post-larves, généralement, mangent ce qu'on appelle les proies vivantes, comme les artémies, les rotifères et ainsi de suite. Donc il faut, au niveau des closeries, avoir une zone où on produit des algues pour les rotifères et où on produit aussi des artémies. Et les rotifères, les artémies et tout, on peut les nourrir, on peut les donner aux post-larves. Et 1 kg d'artémies peut coûter jusqu'à 300 $, 150 000 francs CFA. Mais c'est vrai que ce sont les larves aussi mangent de petites quantités d'artémies. Hein. Ce n'est pas comme si on va acheter 1 kg pour chaque jour dans une écloserie. Mais quand même, ça montre à quel point tout ça, ça peut coûter. Et il faut pouvoir comprendre tout ce que je suis en train de dire là. Bien maîtriser, avoir des gars qui sont bons pour l'adduction en eau, avoir des techniciens pour l'électricité, avoir des experts en écloserie. Et maintenant, aménager le site de grossissement. Donc, que ce soit des étangs ou des bassins hors sol, ça doit être bien aménagé. La biosécurité doit être respectée là-bas aussi. Et une fois qu'on a respecté tout cela et qu'on produit, il faut encore une zone de transformation des crevettes. On sait que les crevettes sont très périssables. Hein? Ça se gâte vraiment vite. Non? Donc, il faut une zone de transformation des crevettes avec la production de la glace et ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir conditionner les crevettes pour les acheminer dans le marché local ou dans le marché régional ou bien le marché international et ainsi de suite. Et il faut avoir établi ce marché-là. Donc, tout ça demande une bonne préparation, non seulement financière, mais aussi technique, comme on l'a dit dans la vidéo précédente. Et comme si ça ne suffisait pas, généralement, les fermes de crevettes ne sont pas en ville. C'est au bord de la mer, c'est dans un endroit reculé. Donc, il faut quand même de matériel roulant, soit une pick-up, une voiture pour le personnel et pour parfois aller acheter les aliments, transporter les crevettes sur le marché et ainsi de suite. Ensuite, ça, il faut une source d'énergie. L'électricité peut être vraiment de l'électricité fournie par la ville ou le gouvernement et on paye les factures. Mais aussi, on sait qu'il y a souvent beaucoup de délestage à travers le continent africain. Donc, il faut quand même prévoir de l'énergie solaire, il faut prévoir quelques génératrices et tout. Et combiner ces trois-là dans plusieurs fermes, c'est ce qui se fait. Et c'est en se fondant sur de tels éléments qu'on dit qu'il faut quand même prévoir quelques centaines de millions de francs CFA si on veut se lancer dans l'aquaculture commerciale des crevettes. Ça peut coûter moins si à un moment donné on peut économiser au niveau de tel équipement ou bien peut-être qu'on a déjà la main d'œuvre locale, peut-être qu'on a des consultants ou bien le gouvernement a formé des techniciens qui peuvent accompagner et tout et tout. Mais par expérience et en me fondant sur les investissements que j'ai vus dans les fermes de crevettes ici en Malaisie et au Brésil, ça demande un investissement de départ assez consistant. Alors j'espère vous avoir donné ici quelques éléments de réflexion qui vont vous permettre de bien vous préparer pour notre live qui aura lieu le 26 février. Et comme je l'ai dit, pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous allez recevoir le lien dans les jours qui viennent. Donc, je terminerai cette vidéo par remercier les nombreuses personnes qui sont inscrites aux formations en aquaculture offertes par Aquexpert. Donc, je vous remercie vraiment pour la confiance et j'espère que vous avez appris quelque chose à travers ces formations. Et j'invite ceux qui sont vraiment intéressés à recevoir la formation, que ce soit des personnes qui ne sont pas encore dans l'aquaculture et voudraient comprendre ce que c'est vraiment dans les détails, que ce soit l'élevage en cage, la production des farines d'insectes, la nutrition et l'alimentation des poissons, d'aller sur le site d'Aquexpert. Le lien est dans la description cette vidéo pour s'inscrire et garantir sa place pour participer aux prochaines séances de formation en aquaculture d'Aquexpert. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager et surtout inviter d'autres personnes qui sont vraiment intéressées par l'aquaculture africaine à s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine.